Ce samedi 15 septembre, c'est à Boissy-Gaujac que se déroule la compétition de l'homme le plus fort de France. C'est avec un public venu en nombre pour admirer ces athlètes de haut niveau venus se mesurer aux lois de la pesanteur. C'est le Sevenol série Bougeot, 27 ans, qui remet son titre en jeu ce samedi à Boissy-Gaujac. Effectivement, président et vice-président de l'association Team Strong France. Alors, comment s'est passé ce championnat de France, Jonathan? Je pense qu'il s'est plutôt bien passé. On avait du monde, il y avait du niveau tant au niveau des athlètes qu'au niveau des poids. Donc, on est content de la manière dont ça s'est passé. Cyril, c'est votre deuxième titre national. Comment vous jugez votre performance? Pas mal. Un peu dératé au niveau de la boule, mais sinon ouais, je me suis bien battu aussi, malgré la chaleur, mais ça s'est bien passé. Voilà, donc Cyril est de Boissy-Gaujac, dont le championnat se déroulait à Boissy-Gaujac dans le Gard. Quel est l'avenir du Strong, Jonathan? On espère que ce sera un avenir croissant. On a démarré l'association cette année, en janvier 2012. On a déjà organisé 4 compétitions cette année, on a des démonstrations. Et on a beaucoup de gens qui nous demandent d'organiser des compétitions dans leur ville. Donc je pense que l'année prochaine, ça va encore se développer et encore. Et on espère que ça va aller de plus en plus. Est-ce que Cyril est l'homme le plus fort de France aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois bien que c'est l'homme le plus fort de France, ouais. Mais il y a beaucoup de challengers, il a intérêt à bien se tenir. Merci. Thank you.